est tous les deux d'éducation chrétienne, donc on ne s'est pas posé beaucoup de questions pendant un certain nombre d'années. J'ai eu des moments de doute par rapport à la foi dans la période de 20 à 25 ans, puis on s'est connus, mariés, nous avons eu 4 enfants. Et moi j'étais déjà beaucoup engagée dans un mouvement qui parlait beaucoup de l'évangile, mais aussi j'étais engagée, le prêtre m'a demandé de faire de la catéchèse et depuis ce temps-là j'ai jamais arrêté. Donc ça c'est un engagement qui me tenait à cœur et avec nos enfants on a suivi tous les parcours aussi, mais on s'est surtout engagés tous les deux dans la préparation au mariage. Préparation au mariage que nous avons assumée sur la paroisse suite à un appel aussi de notre curé à l'époque. Pendant 30 ans, nous avons accueilli des fiancés. Ce qui m'a fait beaucoup de bien, moi, c'est la formation qu'on avait en parallèle, formation à l'écoute. Et ça m'a fait beaucoup avancer sur la place que j'avais dans ma famille. Et ça m'a fait un grand bien pour le choix que j'ai fait après. Donc, En parallèle, on a fait aussi beaucoup de partage d'évangile avec une religieuse pendant 10 ans, où on a fait de la lecture suivie d'évangile. Donc ça nous a permis de connaître plus le message et puis surtout après de l'adapter dans notre vie quotidienne. On a fait part de ça aussi à nos enfants en faisant de la relecture. Ils se sont engagés aussi dans la CE. Ça, c'était plutôt notre vie familiale. De prière, des lectures d'évangile. Et en même temps, Dominique a reçu un appel un petit peu plus tard. Voilà, au moment où je quitte le GAEC, donc j'ai reçu un appel de notre curé pour rentrer dans la démarche diaconale. Donc au début, pourquoi moi? Et puis après réflexion, pourquoi pas moi? Donc j'ai commencé à cheminer, il y a un temps de discernement, une première année de discernement. Et il y a eu un an de vide, et puis après 4 ans, où on s'est vraiment... Nous nous sommes préparés au diaconat. Mais c'est moi qui ai appelé, mais c'est une démarche. Pour moi, ça ne pouvait pas se faire autrement qu'en couple. Donc si Isabelle aussi avait mis des freins par rapport à ça, ce n'était pas le problème, ce n'était pas le cas. Et donc, je suis diacre donc, depuis 4 ans. 2016, donc 5 ans, au mois de juin 2021, ça fera 5 ans. La place de Jésus-Christ est importante parce que je suis obligé, j'accompagne des baptêmes, j'accompagne des mariages. Et maintenant, nouvellement à la retraite, je vais célébrer demain après-midi, par exemple, une sépulture. Donc, c'est vraiment la place de Jésus-Christ dans nos vies. Plus de temps de prière, les laudes tous les matins, la lecture d'évangile. Tous ces temps-là sont importants pour moi maintenant et prennent de la place, de la bonne place. Et puis, je viens juste nouvellement être nommé aumônier de prison, la prison à la maison d'arrêt de Laval, où là, c'est donner une parole d'espérance. Parole d'espérance à des gens qui sont enfermés. La justice des hommes a fait qu'ils sont là. Et nous, on est là pour les accompagner, retrouver toute leur richesse qu'ils ont en eux et ce que Dieu a déposé en eux. Tu t'es beaucoup engagé aussi dans le secours catholique avec l'accueil des sans-abri. Donc c'est vrai que tu es plus appelé à plus des gens en marge et on le sent bien aussi même dans notre appel de couple, dans les jeunes qu'on accueille. La dimanche, on a reçu une jeune qui a perdu sa maman pendant le confinement et qui avait besoin d'évoquer des choses. Donc c'est vrai que notre vocation, Dominique a sa vocation de diacre, dans la vocation de couple, on est aussi à l'accueil, à l'écoute de beaucoup de personnes. Moi j'écoute aussi, je suis sage-femme, donc dans toutes les personnes qui sont dans le deuil de perte d'enfants, deuil périnatal. Donc je pense que notre vocation commune depuis le début, c'est d'être à l'écoute et d'accompagner des personnes et de pouvoir faire qu'elles retrouvent un sens à leur vie, quelquefois, et surtout en lien avec Jésus, qui lui m'appelle de l'espérance, et il est venu sur Terre pour te sauver chacun de nous. N'ayez pas peur, j'ai été appelé, et surtout, vous pouvez avoir la chance d'être appelé aussi. Et vous pouvez venir à la journée des vocations le 1er mai pour prier, pour que chacun aussi trouve son sens dans sa vie, la mission qu'il a et éventuellement une vocation particulière.